Ben là, on est en train de monter là, sur notre territoire de chasse avec Guillaume. Guillaume, il transpire un peu moins que moi, mais il est tout autant chargé. Moi, j'ai un sac double, c'est celui de Pâques, et il court devant. C'est lui qui va nous tuer aujourd'hui, c'est impossible de le rattraper. T'as bouffé du lion ? Si, vous êtes chargé comme des mulets. Ça fait une heure que tu cours devant. C'est super joli, pas ? Ah, j'adore ça. Il nous a foutu une branlée, le vieux. À 68 ans, il nous montre qu'il est encore en forme. On arrive au bout là. On va avoir des beaux mouflons, attends, arrive-où. Guillaume est en train de repérer là. Ça vaut quoi les mouflons? Il y en avait 6 là. Ils ont senti, ils ont monté là. Ils ont monté dans la cheminée, mais il y avait 4 brebis et 2 petits mâles. 2 petits béliers. Il y en a 3 couchés là-dessous, je vois peut-être pas tout. Il y en a 3 couchés là-dessous à 100 mètres, c'est 3 brebis. Arrête tes conneries. Ça me fait peur. Il voit des trucs que je vois pas. Ça m'inquiète. Il sort après cette pauvre brebis. Avec... 3 brebis, mais une qui est vraiment en chaleur, et t'as 4 ou 5 mâles qui tournent autour et ça fait des courses-poursuites. Regarde-moi les secourir derrière. Vraiment une place de rute. Non, mais ils sont fous. Ils sont complètement fous. Regarde, attends. Mon Dieu, il est taquillé. Il a pas de arrière gauche, gauche cassée. Pas mal, donc, Pac. Ouais. Écoute, on est venu faire les pites en haut de la montagne. Finalement, les gros béliers, ils sont à côté de la cabane. Les animaux, ils sont là, juste en face. Donc, il faut qu'on traverse la vallée pour y remonter. On sent les années d'expérience. Ça paraît pas, mais c'est raide comme tout. Allez, mon paquet. Et puis ce mec, ils se font des combats entre eux. Et c'est vraiment impressionnant. Ils sont vraiment plein rute, ceux-là. Il y a vraiment un troupeau qui est plein, plein rute. Et je pense que c'est le bon moment pour essayer de les approcher. Surtout qu'il y a 2 gros béliers dedans. Si jamais on le tire, ce mouflon. On l'aura bien mérité, quoi, on dit. Voilà. Il est pas vieux, Pac. Faut pas tirer. Ne tire pas ça. Ne tire pas ça. Le mouflon, il était vraiment pas assez gros. Donc, je pense à mon avis, 6e ou 7e année. Super occasion. On va lui laisser sa chance. Maintenant, il va falloir redescendre pour aller jusqu'à la cabane parce qu'il est déjà tard. C'est une belle journée et encore une belle émotion en fin de soirée. Hein. Mais maintenant, on va rentrer à la cabane et demain, on va recommencer. Voilà. Départ de nuit, après une bonne nuit de sommeil. Voilà, on commence la journée de bonne heure. Et puis, on sera à la pointe du jour au sommet de la montagne. C'est dur, c'était raide. En plus, on essaie de ne pas faire trop de bruit, c'est compliqué avec les pierres.
Les Pierriers. 500 mètres de dénivelé, c'est comme... On va souffler un coup, là. On est quasiment au plus haut pack. Et on a encore un bon vent. Ouais. Bon, là, on fait une petite pause. On va décrocher les sacs à dos. Charger la carabine. Préparer tout l'équipement. Et puis, on va commencer à vraiment maintenant avancer. Petit à petit. Parce que là, avec la pleine période du rut pour le mouflon, les animaux sont actifs toute la journée. Donc tu peux avoir des animaux qui traversent d'une vallée à une autre. Et qui vont rejoindre les groupes de brebis. Très vieux mouflon, Pâques. Putain, t'as vu, il est costaud. T'as vu le coffre qu'il a ? Bélier. Vraiment un beau bélier. Très vieux, il a un coffre qui est très prononcé devant. Il y a quand même une distance qui est très importante. Il y a quasiment 1000 mètres. Et je le vois comme s'il était à côté. Les pointes qui remontent un petit peu comme ça, là, de chaque côté. Il est tranquille, mais par contre, on est en plein découvert. On ne pourra rien faire pour l'instant. Tiens, regarde comme il est. Ah, il vient de se coucher. Sacré mouflon. Le gros mouflon qui est là en face. On le laisse, on sait qu'il est là. Donc là, il faut marcher à quatre pattes tout le long, rentrer dans la combe et puis passer par-dessus pour venir voir s'il y a les animaux au-dessus. Ok ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'animaux devant moi. On va avancer vraiment tranquillement, sans se précipiter. Sens que je viens de voir. C'est une chèvre que je connais aussi depuis au moins 4 ou 5 ans. Elle a deux petits moignons comme ça qui lui dépassent sur le crâne et elle a un petit cabri avec elle, magnifique. Et le cabri, il est tout petit. Il y a un mouflon qui vient de sortir juste là sur l'arête devant moi. Il a basculé là derrière l'arête. Il y a un mouflon qui est encore ressorti sur l'arête. Un petit mouflon, 3 ans et demi. Probablement il y en a d'autres qui sont derrière. La patience elle va payer dans un moment. Il va y avoir les animaux qui vont descendre pour couper la vallée et venir là en face derrière nous. Il est sur la bosse devant toi. Il est magnifique là. Tu crois qu'on peut le tirer là? Je crois qu'on peut le tirer, oui. On a bien fait d'attendre. Putain, il est bon. Regarde-le, vas-y, regarde-le. Mets un coup de jumelle, regarde-le aux jumelles. J'ose pas le regarder. Vas-y. Il est à 180 mètres. 180. C'est rien. Fabuleux, il y a une petite hermine.
Elle vient là, elle sort la tête dans les roches. Là encore un peu marron. Magnifique. Elle nous fait passer un peu le temps, ça termine les gens. Après être resté pendant presque 6 heures au poste, je décide d'être avec elle montée. Allez, il faut qu'on monte, les animaux sont couchés là-haut. C'est le moment où il faut vraiment approcher, il n'y a plus une bête qui est debout. Je risque pas de me faire lever par un chamois. Je suis monté me placer en poste d'observation pour repérer des chamois en vue d'une future chasse. L'animal est couché juste devant moi. Blanche. Hein. Bravo, Pac. Pac, il faut lui en remettre une. Pac, tu restes là. Je vais contrôler ton tir. La balle est derrière. Je vais essayer de retirer l'animal. Incroyable. Je viens d'entendre un coup de carabine et je vois le mouflon qui est en train de descendre dans la pente. Je pense qu'il est blessé. Tiens, il y a Anthony qui est en train de sortir sur l'arête avec la carabine. Je pense qu'il va essayer de le retirer. Il s'approche. Maintenant, il est à peine à 30 mètres du mouflon. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est à 20 mètres du mouflon. Il le voit toujours pas. Il s'approche, 10 mètres, et il va le retirer. Il est en train de rouler. J'ai même l'impression que le mouflon a perdu une corne dans sa chute. Incroyable, le mouflon qui approchait Anthony et Pierre André. Derrière, ils ont réussi à le tirer. Et au même moment, je l'ai vu sortir. Il avait une balle derrière, presque une balle de pince. Il a vite rapproché le bélier qui était blessé et qui s'était calé debout. Et magnifique image, j'ai vu arriver Anthony qui est arrivé sur le bélier. Il est arrivé à une vingtaine de mètres du bélier et il a pu le retirer là, bras franc, et il l'a tué. Du coup, félicitations à Anthony et à Pierre-André, sacrée chasse. Et voilà, au bout de 2 jours de montagne, vraiment, vraiment pas facile pour un vieux comme moi. Mais bon, Anthony sait nous motiver et on en a vu beaucoup. Mais il m'a dit non, je veux pas que tu tires, on va tirer le plus vieux de la chasse. Et puis je crois que vraiment, parce que là, on a vraiment tiré le plus vieux. Alors, il lui manque une corne, Pac. Je suis bien surpris parce que quand j'ai tiré, il y avait bien les 2 cornes, mais je pense que dans sa chute, il a une corne qui a été cassée. Anthony est reparti monter pour chercher la corne. Là. Incroyable, le mouflon avait tellement les cornes décalcifiées qu'il s'est cassé les cornes. Retrouvé, ça c'est une bonne nouvelle. Incroyable. Elle est là, regarde. Elle a cassé quand il a sauté la barre rocheuse, tellement il était vieux cet animal. Ouais. On en a fait des aventures, hein. En Asie, au Groenland, en Espagne et tout. Mais je crois qu'on est quand même au niveau de la France, il y a quand même des superbes chasses. Hein. Voilà le résultat, mais c'est plus que impensable, quoi. Génial. La corne qui remonte quasiment dans la joue du mouflon, mais c'est prodigieux, quoi. La Kiplouf, c'est vraiment une carabine pour la chasse en montagne, c'est extraordinaire.
une lunette, je voyais vraiment l'animal impeccable. Dès que je mettais la carabine en joue, j'avais l'œil directement dans la jumelle. Ça, je peux vous dire que c'est appréciable en montagne, parce que combien de fois on cherche, on voit tout noir dans la jumelle, on ne sait plus, en plus la fatigue et tout. Pour moi, on ne se pose pas la question, on arrive, on met la carabine dans l'épaule, tac, l'œil est directement dans la lunette et tout. Je peux vous dire que ça, c'est un sacré avantage. Voilà, le résultat, il est là, il est magnifique. Je crois que vraiment tu l'as mérité celui-là. Je peux vous dire que il a assuré comme toujours Pâques. C'est simplement dingue de faire des efforts surhumains comme il vient de faire là, parce que. Mais il s'est motivé les vieux, notamment. Et on en a vu des mouflons. Pâques, il voulait en tirer. Et j'ai dit, écoute, on va tirer le mouflon le plus vieux de la chasse. Ouais. Il est peut-être probablement aussi vieux que toi. Écoute. Juste une remarque, à mon avis, il est plus vieux que moi. Et les deux plus vieilles carcasses de la montagne, elles sont là, c'est Pâques et ce vieux bélier. Là, on n'a pas fait du mal à retirer un animal comme celui-là, parce que on va le compter, mais cet animal, il a quasiment 12 ou 13 ans, et pour un mouflon de montagne, ça reste quelque chose qui est exceptionnel. Exceptionnel, je suis très content aujourd'hui de réussir encore à faire des chasses comme celle-là. Bravo Pâques. Bravo. Comme quoi, t'arrives à tout mettre dans un sac et à redescendre. Un mouflon, une carabine démontable, un trépied et un télescope pour faire les bonnes observations. Ce qui est vraiment indispensable quand tu veux prélever de bons mouflons. Comme aujourd'hui. Allez. Maintenant, il va falloir redescendre, et c'est en plus avec la banane. Et je le sais pourtant, c'est chaque fois la même chose. On finit, il fait nuit, on est au sommet des montagnes, et puis il faut encore rentrer, là, dans un brouillard à couper au couteau. Je peux dire que je prends une suée d'enfer. Je me jure chaque fois de plus le refaire, et puis c'est plus fort que moi, il faut que je le refasse. Vis notre prochaine expédition, abonne-toi et active la cloche.